Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est en direct toujours avec Madame Toilette pour une vidéo dans laquelle nous allons ouvrir les cadeaux que vous avez envoyés avec Madame Toilette parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, donc on va commencer par ouvrir les cadeaux et commenter les cadeaux magnifiques que vous envoyez à Madame Toilette. J'ai perdu espoir mec, je suis choquée. Accepte-moi mon ami, alors je rappelle, je suis désolée Clara, mais sur ce compte là je n'accepte que les comptes toilettes. Voilà, donc merci pour tes cadeaux, mais si tu veux m'ajouter, il faut que tu crées un compte toilette et j'accepterai volontiers. Bah écoutez, je pense qu'à la fin de cette vidéo, bah du coup on fera une petite session où je vous accepte en ami sur Madame Toilette. Je précise également que je n'accepte que les toilettes, donc pas les poubelles. Je rappelle également, oh mon dieu c'est terrible la moustache avec la bouche. Que du coup nous sommes on va dire en concurrence. Oh merci Toilette New Collection, merci. Le pire c'est que j'avais en plus acheté des toilettes. Merci beaucoup, j'adore. Hop là. Et bah du coup la fille elle a bugué. La fille elle a bugué. Je te vois 15, merci. Bon, ça envoie, elle a un look quand même. Elle est un peu bizarre, mais elle a un sacré look quand même. Hein. En soi, ça pourrait passer si elle avait pas cette tête de toilette. Hein. Trop vidéo, elles sont trop cool. Je les ai regardées. Forcément, le piratage, l'ouverture des cadeaux. Bah, eh bah écoute, merci beaucoup. Merci, ça j'en dis, hein. Merci beaucoup à toi. Alors on ouvre les cadeaux, donc oui forcément qui dit cadeau avec Madame Toilette dit beaucoup de cadeaux caca. Je rappelle quand même hein, le contexte hein, normalement Madame Toilette était censée être créée pour recycler des cadeaux pour ensuite vous renvoyer les cadeaux, voilà. Donc les personnes qui ne veulent pas de leurs affaires, de leurs cadeaux, pouvaient envoyer ça sur Madame Toilette. Et ensuite avec Madame Toilette, je redistribue les cadeaux derrière. Bon, le seul truc quand même, c'est que... comment vous dire, que au final, vous m'envoyez beaucoup de cadeaux caca. Donc c'est un peu difficile de redistribuer des cadeaux caca. Bon, en soi, par exemple, la jupe là sortie du contexte de Madame Toilette, ça pourrait être une très belle robe quand même de cette couleur-là. Donc là, à la limite, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a des cadeaux, genre les cacas sur la tête. Ouais, bien, je me vois mal les redistribuer derrière. Hein. Je me demande comment la personne le prendrait, quoi. Et d'ailleurs, merci. Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, mais merci beaucoup à tout le monde pour vos cadeaux. C'est super gentil. Et je redistribuerai ça, bien sûr. Donc il y a des cadeaux que je garde parce que bon, c'est voilà quoi. On va dire qu'en envoyant des cadeaux, bon, il y a certains, ils sont sympas pour créer un look pour Madame Madame Toilette, hein. Mais oh mince, des têtes d'user. Non, je reçois des cadeaux dans des têtes d'user, c'est triste. Mais pourquoi? Oh mince, j'ai oublié de porter. Faut porter, Quinzel. En fait, il m'a envoyé tout avant de se délaisser tête, quoi. Et elle a un look quand même, hein, comme ça, avec le haut là, le bas là, le collant et la veste. D'ailleurs, la veste, ouais, franchement, j'adore. C'est la veste du thème, de l'avant-dernier thème, et elle est super sympa. J'adore beaucoup, quoi. Oh, regardez, encore le même délaisser tête d'user. M'a fait tellement de cadeaux. C'est triste. Et pourquoi vous vous délaissez, les gens? Faut pas se délaisser tête. Si vous voulez plus jouer, ben vous arrêtez de jouer, mais vous êtes pas obligé de supprimer votre compte. Parce qu'après, vous pouvez regretter, genre, si, même si vous êtes vraiment persuadé que vous allez arrêter le game, mais genre complètement que vous allez... Encore... Oh, Toilette Monster. Vous êtes persuadé... Oh, merci. Vous êtes persuadé que vous voudrez plus jouer et que finalement, même si c'est dans 6 mois, mais que dans 6 mois ou même plus, dans 2 ans, vous allez avoir envie de revenir dans le game, et bien que vous aurez supprimé votre compte, vous allez dire « Ah mince, j'aurais dû le garder, vous allez regretter. » Alors qu'au final, délaisser tête, ça vous apporte pas forcément quelque chose. Oh, c'est quoi ça? Voilà qu'on m'explique, dites-moi en commentaire, c'est quoi ça? Est-ce que c'est des races? C'est la première fois que je vois ces chaussures, mais en tout cas, merci. Ceux-là vous iront dans ma collection, mais merci beaucoup. Faudra m'expliquer c'est quoi ces chaussures. Oh bah, c'est la même personne qui m'a envoyé. Mais c'est quoi ces chaussures lol? En jaune. Mais qu'est-ce que c'est donc ça?
Qu'est-ce que c'est que ces chaussures-là? Qu'est-ce que je disais du coup? J'ai zappé. Ah oui, ne délétez pas. Après, bon, voilà, vraiment, si. Après, ça reste votre choix. Hein. Je vais pas obliger quelqu'un qui a envie de délétez à ne pas délétez. C'est vous qui décidez. Le choix final revient à vous, mais après, si je peux vous conseiller. Et voilà. Après, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui délétez pour d'autres raisons. Hein. Mais voilà, après, vous juste pensez que peut-être vous pourriez revenir et qu'au final, laisser le compte sans forcément y jouer derrière, bah, c'est pas dérangeant, voilà. Bah écoutez. Il y a beaucoup de cadeaux quand même. Je sais pas combien de pages qu'on est sur Madame Toilette. Ouais, que juste comme ça pour checker combien il y a de pages encore. Elle reçoit quand même pas mal de cadeaux, hein, notre Madame Toilette. Hein. Elle en reçoit pas mal. Mais c'est pareil, hein, les cheveux en brun, ça dérange pas. Parce que même si vous me les envoyez en brun pour faire genre à les cheveux caca, ça dérange pas puisque envoyer sorti du contexte... En fait, elle a vraiment une tête qui fait peur, là. Sorti du contexte, ça dérange pas. Dans le contexte de Madame Toilette, ça fait chelou. Là, il y a Madame Toilette, par contre, elle m'envoyait que des cadeaux de merde. Quand je dis de merde, pas forcément que c'est pas beau, mais de merde dans le sens où c'est le cadeau et couleur caca, quoi. Voilà. Couleur brun. Merci. Elle a un sacré look, mais c'est surtout sa tête, elle me fait peur, ses yeux avec cette bouche. C'est flippant. C'est vraiment flippant. Vraiment. Madame Toilette. Oh mon dieu. Elle est magnifique ou pas? Ah, il y a une autre Madame Toilette. Je t'adore. Merci. Madame Toilette te remercie. Madame Toilette, d'ailleurs, vous remercie tous pour vos cadeaux et pour votre gentillesse. Hein, et pour vos l'achat de toilettes. Hein. Elle remercie toutes les personnes qui ont acheté des toilettes chez elle. Elle vous dit merci bien. Vous lui faites gagner de la toilette monnaie. Elle est contente. Elle s'est acheté une villa avec 15 toilettes dans la villa. Elle est contente. Elle est partie en vacances. Plein de choses. Cuteness. Oh, thank you. Je vais faire rien que pour toi. C'est vrai qu'il est, sympa, le... Bah merci, le Ola, il est sympa. Il est vraiment sympa. Par contre, je ne rigole pas. Il est vraiment cool. C'est quoi, Tiz? Oh, Tiz broken. Oh mon dieu, elle s'est cassée le bras. Elle s'est cassée le bras. Bah écoutez, je pense que c'est les cadeaux de toilettes aujourd'hui qui m'ont beaucoup surpris. Enfin, quand je dis de toilettes, pas les comptes toilettes, mais vraiment les toilettes en cadeau, quoi. Le pire, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais acheté des toilettes. Et je pense que je vais refaire ma chambre en toilette. Voilà. Marron comme caca. Oh, vous voyez, ah, c'est trop chelou, genre quand elle a la poule qui dépasse de du manteau, c'est genre trop bizarre, quoi. Miss Madame Poubelle, oh mon dieu, on a reçu un cadeau, non, faut enlever le cadeau de Madame Toilette, Madame Poubelle, pardon. Enlevez ça, non, je suis infectée par une poubelle. Ah mince, on est infectée par une poubelle, oh merde. Comment qu'on va faire, on ne va pas s'en sortir, elle va mourir, Madame Toilette. Madame Toilette va mourir. Aidez-la, s'il vous plaît. Elle est en train de ramper au sol. Et hop. Oh, petit caca rose. Bonjour, toilette. C'est pour toi? Parce qu'il n'y a pas la fin de la phrase. Essaye de deviner. Devine la fin des phrases avec 15 L. Ça me fait penser à Sia avec la frange sur les yeux. D'ailleurs, j'ai regardé le clip de Sia il n'y a pas longtemps, sa dernière musique. Je suis pas super fan de sa dernière musique, en fait. Je la trouve un peu fade, comparée à ce qu'elle fait d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. C'est... attendez, c'est laquelle? Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Mais bref, au moment où regardez cette vidéo, elle vient de sortir il y a quelques jours, donc je pense pas qu'elle en ressortira une d'ici là. Le pipi de 15 L. La fille, elle s'est quand même appelée le pipi de 15 L. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bonjour, pipi de la 15L, je parle à mon pipi, c'est très bizarre, c'est très gênant. Walking on clouds. Oulala. Là là. On est quand même à pas loin de 10 minutes d'ouverture de cadeaux. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Mais comme ça, juste par curiosité, on va voir combien il y a encore de pages de cadeaux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attends, on va faire comme ça finalement, sans les comptes. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, quand même. Ah d'accord, oui.
Ah oui, d'accord. Bon bah, j'ai envie de te dire, je les aurais pas tous ouverts aujourd'hui, hein. D'accord. Ah oui, d'accord. Oh mon dieu, heureusement que j'ai pas continué à compter, hein. Eh bah dis donc. Bah tiens, on va finir par les cadeaux de la dernière page. Donc les cadeaux les plus anciens, qui doivent dater de peut-être un mois ou un truc comme ça. Ça fait quand même un petit moment que j'avais pas ouvert les cadeaux sur Madame Toilette, ou que j'étais pas arrivée jusqu'au bout des cadeaux en tout cas. Voilà, donc Madame Toilette, elle est prête. Madame Toilette est devenue un sapin de Noël. Et merci à tout le monde pour les cadeaux. Donc si ça vous a plu, si vous voulez une vidéo exclue juste en ouverture de cadeaux, parce que d'habitude je lis les messages et je fais un peu d'ouverture de cadeaux à la fin. Mais est-ce que ça vous intéresse, genre des vidéos exclues ouverture de cadeaux de Madame Toilette, donc vidéo consacrée à l'ouverture, voilà. Bah dites-le moi en commentaire, et moi sur ce je vous laisse, Madame Toilette vous fait également de très gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live, gros bisous à vous, ciao ciao.